www.lazarema.fr. Mama Chabani a salé la ramakamba kokamwa. Na bomo inanga na benga kaye la source de ma vie. A salé tout puissant pour nangai. Avant na prendre bande la témoignage na la kela nzambi funa kumisa kaye tango na zali bosa bat na zo témoigner. Kobota mananga to bota mama passa. Na passe ya kobota basala mama ya biso césarienne. Erba bimisi bana mimbale to zala ya ko vivre. Mais docteur Abima ki a ibisi ba famille ke akoki okanga pota wana boete lokwa bana baza mi bale ya basi na mwana na bango il faut moi si moko akufa po mi bale ba otika la ba vivre ezala problème makasi na hôpital jusqu'à ce que ba ego zwanga ba tenga leka bazwa li pasa na nga ba kunda ya kotala ba finika e bilamba ba kundie ya onga na yaki ko vivre yakona kumisa nzambe pe na tika la jamais na kokoka ngamunoko teso ni na kanisi bona bota mana e akoma poussière me ya pesanga bomoi na koli na e ko bala er na bali na ya ko sa 10 mois na libala na e ko bela na bandi ko bela na bandi o seigner na seigner kana seigner ka maladie wana meminga ti na opération basalinga intervention chirurgicale. Herba opéré nga ba constater que trompe moko na ki dia ya coupé ba makasi ba katyang moko na vumi banda dia pe ko beba docteur atali ka tellement boti témoin ya longola nyo sauté a garda ki quand même mais her na biki a ibsi nga na ba famille boy loko aza mo se di bala eza problème té a kende a bota ta na 2 ans pa après 2 ans daza wana il faut ba fungola e pota ba longola trompe wa msusu sino akokufa na ye kozonga er na zongi na ndako ya libala diable lokwa landaka ngai mobali aye kokende kabu toyokani na mobali te mobali akei antuke tourma taki bomoi nanga na komba ivuma na kati ya batourna tourma jusqu'à ce que nazwa decizio na tali telema na bondelaki banda bomwana epui nasala mariage tina eglise siko na omona limfelo deja liboso nanga ke dandeza so na boti te baki no longo langa ba trompe nautique a stérile mobali yango pe akei siku ifuna kota na vie kindumba kana bota na kindumba kote musina tali sina koti na kindumba li felo pona nga alors na zoi décision na vie bon na kende li felo mena ok li felo buzo bate na boma mobali oyo akufa nga la tambola na ye ba kende na tambola na boma na nga mutu suka langa na li felo ana zvi décision ana ka le jour on a tele mai pona kende. Et à cause de la kina qui okuta na ma chabani. Gloire à Jésus. Alléluia. Kokuta na kuta la lae mukolanga teaka. Amdai kote a mate a moko ya Gédéon. Alobali loba moko va avec la force que tu as. Tu vas renverser les forteresses. Après wana sala délivrance na kwea ka sala délivrance ma kasa. Après wana. En tout cas na zoa ikimia pe na zoa ki sou décision ya ko landa nzambi. Et na yeko continue na komi ola ndanzambi na kimia maladi wane yeko zonga a zero la balele ki kutu nazali ko senye me tour wana poli ba pive mezo bimanga ba pasi moko na komba ki nango insupportable na kwa suko supporte te soki bandi boye vraiment na pasi makasi
Pompe mobile, ya mneni. Azu yangu tangu na ba gazo epela, uba bungsa ba congelateur. Azu yangu siku ibisinga tongo, langa ibise mama na komi feble na okokati, alibi force. Letaka ba force, bena monye loro moko bimimba moko pou. Ere loko ne bimimba moko boe, na susu mki bisika na zalaki. Na pasi, na ba pi, kote kendaki na ebi. C'est normal. Mais ça va marcher, mais il y a personne à vous moi, na zo vivre, na comment normal ti leo na zo vivre, ya on a eko tombo la peko pa. Alléluia, betela Yesu ana maboko makasi. Je voudrais dire à Mama Chaban merci parce que ce qui s'est passé, ça fait trois jours, troisième jour aujourd'hui. Na li kotona Mama Chaban po o esala ma ki uta mi komisa tu za lelo. Les mamans ont parlé et très bien parlé. Ba mama ba lobi pe ba lobi ki tok. Le thème de la convention, c'est sauver pour sauver. Maman ali kambwa bilini na biso zali kopika po na kobikisa. La convention, c'est un moment historique, pathétique, un moment de rencontre pour revoir l'alliance avec Dieu. Milui ya mayangali o ezali ngonga o elongo bani po na biso kotela lisusu boyokani ya biso na Nzambe. Une convention est un moment où on vient évaluer la fidélité, la marche avec Dieu, selon la vision qu'il nous a donnée. En même temps, c'est une fête parce que nous allons jubiler les victoires que nous avons dû orchestrer pendant le temps de notre parcours. Mais c'est aussi un moment de renouvellement de l'alliance avec Dieu. On va voir par où on n'a pas bien marché et qu'est-ce qui n'a pas marché et ce qui a marché, nous rendons gloire à Dieu. Voici dans mon esprit lorsqu'on parle de la convention, c'est que je suis censé comprendre. Donc chaque convention est un nouveau départ. On a évalué et on envisage mieux. Et
Alors j'ai vu que nous sommes dans une convention. C'est le moment où nous allons vivre les fruits. Nous allons écouter des témoignages. Nous allons voir la fidélité de l'appel du couple Chabani. Alors, le couple a décidé avec le Saint-Esprit pour parler de sauver pour sauver. Alors j'ai dû comprendre que c'est une convention purement évangélique. Évangélique. Parce que sauver, c'est ceux qui. On ne parle pas de ceux qui seront. Ceux qui sont sauvés et qui ont reçu mandat maintenant d'aller témoigner ce salut auprès de ceux qui ne sont pas sauvés. C'est comme ça qu'on parle de sauver pour sauver. Alors quand je rentre dans la Bible, je commence à comprendre que c'est tellement biblique. Parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme le serve. Il est écrit dans Genèse 1, verset 31. Et comment il a beaucoup la Genèse de toi et bandeli mon capo et ambola mon loup. Ça que Dieu a créé était très bon. Oh, nous sommes en bien qu'elle a qu'est-ce qui malin. Mais il a créé pour l'homme. Parce qu'elle a qui a mon pona moto. Et Genèse 2 verset 15 dit. Genèse 2 15 balobi. Il a placé l'homme dans le jardin qu'il a aménagé. Il lui a dit, tu verras le jardin et tu le garderas. Donc il était engagé à servir Dieu. L'homme est créé pour servir Dieu. Pour le servir dans le plan de Dieu comme un concepteur, comme un architecte. Il a dit dans Genèse 1, verset 26. Créons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Dieu voulait se regarder dans la nature. Et l'homme devrait servir de miroir. Si Dieu veut se refléter, il doit regarder l'homme. C'est comme tout parent qui veut se voir au travers de l'enfant. Qui lui ressemble. Donc l'homme est utilitaire pour Dieu. La vie de l'homme n'est pas en soi utile sans Dieu. C'est pour Dieu. C'est pourquoi il dit Colossiens 1 verset 15 à 16. Il dit tout a été créé par Dieu. Et pour Dieu. La gloire. La dignité. L'élévation. C'est pour Dieu. C'est créé par Dieu. Donc toi tu es naturellement né pour servir Dieu. Or l'homme est perdu. Genèse 3 jusqu'à l'Apocalypse. Chapitre 3. Dieu est en train de chercher comment réhabiliter l'homme. Parce que le péché a fait sortir l'homme de son rôle qu'il devrait jouer à côté de Dieu. Regarde la manière de voir la Bible. Pour moi, la Bible a deux parties. Je ne suis pas dans le débat théologique. Je parle de la Bible parfaite et de la Bible qui rectifie. Genèse 1 et Genèse 2. Ça c'est la première Bible. Ça c'est la vraie Bible. C'est la Bible sans faute. Sans problème. Mais de Genèse 3 à l'Apocalypse. C'est une grande dissertation. Qui a pour sujet. Que faire pour réhabiliter l'homme? J'aimerais vous dire que le
C'est le sujet de la Bible. Depuis Genèse 3 jusqu'à l'Apocalypse, c'est le salut de l'homme. C'est comment sauver l'homme. Il n'y a que ça que Dieu cherche. Moïse est venu pour ça. Josué est venu pour ça. Jérémie est venu pour ça. Abraham est venu pour ça. Que faire pour sauver l'homme? Et quand je vois le thème, je comprends que c'est profondément biblique. Parce qu'on nous dit, jusqu'à l'Apocalypse, lorsqu'on a trouvé la solution pour sauver l'homme, Dieu a arrêté d'écrire la Bible. Parce qu'on a trouvé la solution. Depuis que Jésus a été la solution, la Bible est arrêtée. Ainsi, nous sommes entrés dans une autre époque. On a changé de saison. On a changé de dispensation. Maintenant que le salut est là, que devons-nous faire pour que tout le monde parvienne au salut, que le sauvé amène le salut vers les non-sauvés? C'est la mission que Dieu nous a donnée. Quand nous lisons Matthieu 28, verset 19, la Bible déclare, ça c'est une vérité testamentaire. Jésus veut se séparer de ses disciples. Une vérité qui tenait à cœur. C'est sauver l'humanité. Il leur dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations mes disciples. Allez baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez leur enseigner ce que je vous ai enseigné. C'est ça qui tenait à cœur Jésus. Les miracles ne servent de rien. Si ce n'est pas pour le salut. Aucune assemblée n'est utilitaire pour Dieu. Et mon côté dans les tombes pour l'assemblée. Si ce n'est pas pour le salut. Ce que ça pour le lobby côté. Nous pouvons tout faire. Nous allons rendre compte. Nous des âmes. Milimo. Qu'on a fait sortir de ténèbres à la lumière. Parce que nous avons le mandat. Le Saint-Esprit a quitté le ciel. Il est avec nous sur la terre pour nous fortifier. Vous vous rendez compte? Acte 1, verset 8. C'est de venir donner la puissance. Le Saint-Esprit, Dieu vient nous donner à nous la puissance pour que nous soyons les témoins de Jésus. Nous qui sommes sauvés, nous devons aller maintenant affronter les ténèbres, faire sortir tous ceux qui sont tenus captifs. Voilà pourquoi j'appelle cette convention une convention évangélique. Toi, tu as été touché par la parole. Tu as confessé Jésus. Tu es sauvé. Et qu'est-ce que tu fais de ton salut? Faut aller témoigner. Une des raisons fondamentales que le Saint-Esprit est là. Jean 16, verset 8. Pour venir convaincre. Demandez que vous voyez. Le convaincre. Par notre témoignage. Par notre évangélisation. Le convaincre. De l'état de la perdition des pécheurs. Nous sommes 10 millions à Kinshasa. Combien sont sauvés? Boni basi babiki. Et qu'est-ce que nous faisons de ce salut?
Ce n'est pas pour nous construire des grandes maisons. Ce n'est pas pour des grosses voitures. Mon salut, c'est pour les sauver. Ceux qui sont perdus. Mais nous avons transformé l'église en une caste des élites. Des élites, de ceux qui sont qui sont en train de jouir de Babylone pour oublier tous ceux qui sont en train de gémir dans l'occultisme et la magie. L'église a pour vocation aller vers le païen. Vers les féticheurs. Vers tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pour amener la lumière. C'est comme ça que nous devons comprendre la vocation de notre chrétien. Que fais-tu de ton salut? C'est bien. Ils sont venus pour être guéris, c'est bien. Ils sont venus pour avoir de l'argent, c'est bien. Ils sont venus pour faire quoi, c'est bien. Mais que fais-tu de cela? Si nous sommes sauvés, c'est par la foi en Jésus. La Bible dit, Actes 16, 30, 31. Que dois-je faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. On pouvait s'arrêter là-bas. L'apôtre voudrait signaler que le salut doit aller loin. Le salut entre tes mains a une mission. C'est d'aller sauver les autres. Je vais vous parler deux minutes de ma petite vie passée. Et vous dire maintenant qu'est-ce que ce salut fait avec moi. Je suis né dans un profond village. Je ne suis pas né dans une maternité. Je suis né même pas dans la maison à terre comme Maman Chabani. Je suis né en dehors même dans un bosquet. Dans un bosquet. Au village. Ma mère est ici à Kinshasa. Je crois, je ne sais pas si elle est là. On m'a reçu dans des feuillages, dans le feu de manioc. Dans le village, on n'a pas coupé mon cordon ombilical avec des gilets. Il y a des gilets traditionnels. Tout ça s'est raconté dans mon premier livre. 4 mois après, mon père et ma mère divorcent. J'ai grandi entre les mains des tantes, des oncles, des nièces, des cousins, des cousines. Je ne pouvais pas jouir de l'affection paternelle. Ici, vous avez à Kinshasa ce que vous appelez les chègues. Mais être chègue au village, c'est pire. Moi, je n'avais jamais porté un habit jusqu'à l'âge de 12 ans. J'étais nu comme un ver. Je n'ai pas plaisir de vous raconter des choses qui n'ont pas existé. Je portais un morceau de pagne de femme qui a été jeté. J'ai ramassé et j'ai mis une corde autour de ma hanche. J'ai mis un morceau devant et un morceau derrière pour aller à l'école à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans. Je n'ai jamais vu ma mère, mon père n'était pas là. Je devais aller piler le riz ici. Là,
je dois transporter des calebasses de 1 km, 2 km d'eau pour avoir droit à un repas. Moi aussi, quand tu maman, je suis tout à l'heure sur A, on a tout à l'heure. Je suis tout à l'heure. Je suis tout à l'heure. Je suis tout à l'heure. Personne n'a payé les frais scolaires pour moi. Moi, tout à foutre la classe. À l'âge de 12 ans, j'ai dit je dois étudier comme les autres villages. Dans le bain, c'est un temps à l'époque parce que c'est un comme ça. Entre temps, j'avais des chics partout et des galles sur la tête, les mains partout. Nazaki n'a ma kwanza, pe ma yanzi n'a ma kolobisikanyos. J'étais tout le temps malmené et injurié. Certains gosses ont Nazaki, balay konyo kolapé kofingangai. Parce que j'ai tous les torts, c'est moi. Tout ce qui arrive, chacun défendait son enfant. Moi, quand nous mangeons au village ensemble, à la main libre, vous voyez, on me tenait à la main et c'est le dernier coup de sifflet qu'on me demande, on me lâche pour mettre la main et c'est fini. Jusqu'à l'âge de 20 ans, je n'ai jamais était rassasié. Manger, c'est rassasié. Mais un jour, je suis arrivé dans une de mes stations sur Isoke 80. Une maman avait transféré 2 millions de l'argent passé à Lodja chez nous. Pendant que moi, je chassais les pasteurs dans mon église, dans mon bureau. Tu ne peux pas venir me parler de Jésus. Dis, mais allez parler aux pauvres. Moi, qu'est-ce que Dieu, Jésus va me donner quoi? Moi, j'ai tout. Mais je vous dis vrai, quand j'ai dit j'ai tout, j'en avais. Et quand alors, les gens venaient, même pour me voir, vous devez passer 4 bureaux, 5e pour entrer chez moi. Et il y avait des caméras partout. Un villageois. Akishasa. Qui vient régner maintenant. Mais quand cette femme m'a vu, j'étais un week-end. J'étais parti pour prendre l'argent. Ceux qui ont travaillé avec moi peuvent même être ici, ils savent que je disparaissais le vendredi pour réapparaître le lundi toutes les semaines. Alors qu'est-ce que je fais? Quand les avions venaient de Kikwiti, de Chikapa, de Kalanga, de Mbujima et partout, j'avais des stations. Je prenais, je dis seulement, le premier venu, ouvrez-moi, il y a 2000 dollars là, oui. Je mets dans la poche l'argent zaï, tout ça compté, c'est pas mon affaire, il y a des comptables, il y a des choses comme ça. Je suis parti pour revenir le lundi. Mais cette femme-là réclamait ses 2 millions avec un but de moi-même. J'ai dit, mais toi, c'est qui celle-là? On a ni sousou. Elle remettait son argent. Le temps qu'on parlait, elle m'a dit, tu es orgueilleux. Si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde, garde en vain. À ce moment-là, je suis entouré de militaires avec des paquets. Dès que moi je sors, et ils sortent déjà. Alors, tu vois les bouts d'hommes en train de tourner. Tout le monde tremble. On arrête l'avenir. Alors, elle m'a lancé seulement ça. J'ai eu peur de mourir. J'ai dit, malgré ces militaires, malgré ces femmes ici, malgré tout ce que j'ai, donc je peux mourir comme ça. Alors j'ai dit à la dame, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, tu dois recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu dois le recevoir. Je dis, c'est tout. Il dit, mais c'est tout. Ce jour-là, jusqu'aujourd'hui,
Je n'ai plus jamais revu ma maison. Je ne suis plus jamais retourné chez moi. Je me suis agenouillé. J'ai reçu Jésus. Je me suis débarrassé de toutes les voitures, de tous les gardiens. Je ne suis jamais rentré chez moi à la maison. Quand je parle, il y a des gens de ma famille qui sont ici. Là où j'étais converti, j'avais amené 5 jeeps. J'ai donné à l'église. J'ai refusé. Le jour où on m'a fait passer ce qu'on appelle la délivrance, je suis resté comme un verre. J'ai cherché quelqu'un pour qu'il m'achète un habit. Tout ce que j'ai gagné, il y a trop de fraude. Je n'ai plus besoin de tout ça. Et on m'a acheté 2 pantalons usagés, moi. Le ketch. La ketch. Et deux tricots. Pendant qu'on partait dans des pressings prendre 16, 20, 30 costumes super. Nous avons dit pressing 30, 20. Et j'ai laissé tout. J'ai commencé à suivre Jésus. Jusqu'aujourd'hui, je suis derrière Jésus. J'ai été sauvé. Très sûr d'avoir la place au ciel un jour. J'ai envié le ciel. La terre ne sert de rien. C'est un moment de passage. Je passerai l'éternité à côté de mon Dieu. Parce que j'ai découvert que Dieu est bon. Et Dieu est juste. Et Dieu m'a pardonné. Je vais vous dire, moi, quand j'étais enfant, je pouvais aller à la toilette et prendre le déchet et je mets dans l'eau que tout le monde va boire. À cause de la souffrance que j'endurais. Mais Dieu n'a pas regardé à tout ça. Il m'a sauvé. Il m'a pardonné. Je suis pardonné. J'ai senti qu'il m'a pardonné. Il m'a aimé. Qu'est-ce que je peux donner à ce Dieu? Qu'est-ce que je peux lui donner moi? Parce qu'aujourd'hui, je suis son enfant. Alors nous allons lire un petit passage. Et nous allons prier. Jean 4. Verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Je parle maintenant d'un homme que vous aimez. Je parle de Jésus de Nazareth. Le Fils de Dieu qui est venu sur la terre pour ramasser les gens qui sont sans histoire afin de faire le vase d'honneur, afin de faire entrer son esprit pour transformer des vies. Pour parler de cet homme que j'aime, cet homme qui m'a vu au village, tout le monde mourait. J'ai été empoisonné plusieurs fois. Ceux qui avaient des parents mourent. Des rougeurs là m'a présent. Mais moi je ne pouvais pas mourir parce que je serai sauvé un jour. Parce que je dois sauver des générations. Je vais parler à quelqu'un dans ta vie. S'il va passer, s'il passe, les choses vont changer. Jésus est passé dans mon cœur. Il est passé dans ma vie. J'ai changé de valeur. J'ai changé le regard. J'ai changé l'appréciation du monde. Cet homme, il est bon. C'est pas de Jésus-Christ. Écoutez-moi. La Samarie, c'est la capitale, du royaume du nord. À la mort de Salomon, à cause de l'idolâtrie sur les femmes, Dieu a dit, je divise le royaume. Et il a donné 10 tribus à un travailleur, un ouvrier, un serviteur de Salomon. 10 tribus. Après, ils ont constitué un royaume dont la capitale s'appelle Samarie. Au capitale, on va bengi Samalia.
Et à Samarie, Samaria, vous lirez l'histoire. Un roi 16. Verset 24. Et continuez la suite. Lorsque ils sont partis là-bas, ils se sont mêlés avec les Sidoniens, avec les Babyloniens, avec les païens. Ils ont mélangé leur culture de Dieu. Ils ont changé les habitudes avec Dieu. Mais un royaume est resté fidèle. Le royaume du sud constitué de Juda et Benjamin. Donc, la capitale s'appelait Jérusalem. Ainsi, ils se sont fabriqués là-bas au nord des prophètes, des choses, beaucoup de choses. Mais le royaume du nord était entreposé entre quelques provinces du royaume du sud. Galilée, Nazareth était au-dessus. Ezalakilikolo. Mais ce sont des provinces du royaume du sud. Ils étaient au nord. Il faut passer par Samarie. Pour arriver à Jérusalem. Jésus maintenant a choisi d'être à Galilée. Yes, a pour qui se trouve à la Galilée. Parce que ce problème. Marc 2, verset 17. Il dit, il est venu chercher ceux qui sont perdus. Il est venu chercher le mal. Paris. Mais je dois éloigner ces gens. Parce qu'il sera un obstacle pour moi. Alors il dit, il a fait semblant. Vous me donnerez raison. Il a fait semblant. Il a dit, j'ai faim. Prenez l'argent. Allez acheter du pain. Comme vous aimez manger. Allez prendre le pain. Parce que moi j'ai calicure. C'est de passer par la Samarie. C'est de rentrer à Samarie. Avant de retourner au ciel. Samarie sera sauvée. Ma soeur, mon frère. Tu vas sauver qui? Vous ne pouvez pas quitter le travail parce que votre directeur est dans l'occupisme. Si tu es là, c'est pour le sauver. Si tu es là, c'est pour prier pour lui. Si tu es là, on ne peut pas travailler avec les païens. Mais tel jour, ils vont cesser d'être païens. C'est pas ton évangile. N'avez-vous jamais appris qu'il peut être esclave avait converti, avait convaincu un général de venir en Israël chercher sa délivrance, chercher sa guérison, travailler, entrer dans l'armée comme un chrétien, entrer dans le ministère comme chrétien, entrer dans le Sénat comme chrétien, travailler avec eux comme Daniel, comme Joseph, et nous changerons le Congo. Nous changerons le Congo par l'évangile. Romains 1, verset 16. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Pour quiconque croit. Vous devez prêcher. Vous devez continuer à prêcher. Par exemple. Nous devons prêcher. Par notre témoignage. Par la prière. Évangélisons le PDG. Parlons avec eux. De Jésus-Christ. Envoyons des versets bibliques. Au travers de nos téléphones. Envoyez des versets bibliques. Même s'il ne veut pas. L'évangile. C'est la puissance de Dieu. C'est la Bible qui dit ça. La puissance de Dieu est dans l'évangile. Vous devez travailler à l'intercontinental. Allez travailler là-bas. À Vodacom. Même si on recrute des gens dans les loges. Allez travailler. Nous allons les recruter dans les loges des loges qui s'appellent Jésus. Nous devons travailler. Travailler.
Nous sommes l'église de réveil. L'église de réveil. C'est l'église évangélique. C'est l'église qui a un message. C'est l'église qui déclare Jésus. Vous ne comprenez pas ces choses. Pourquoi vous dormez? Pourquoi vous dormez? Envahissons. Envahissons les troncs. Faisons les affaires. Et nous allons réussir avec Jésus. Avec Jésus. Ils vont nous suivre. Je vais parler à quelqu'un. Ne détruis pas Samarie. Samarie a besoin du salut. Qu'est-ce qu'il y a à Samarie? Le stratège vient. Il s'arrête. Il éloigne l'Égypte. Vous ne comprenez pas ma mission. Maman Shaban. Si quelqu'un te demande, envoyez le feu à Samarie. Éloignez-le seulement. Mais ne le chassez pas. Donne lui le nécessaire. Et garde-le. Mais cherche comment. Allez à Samarie. J'aimerais parler à quelqu'un. Samarie sera sauvée. Samarie est un gars qui sera. Par ton témoignage. Jésus s'assoit. Yes, et ils sont partis. Parce qu'ils aimaient manger. Jésus calcule. Yes, comment moi je vais rentrer? Et laisser les enfants d'Abraham. Sous la dépravation. Dans des fétiches. Dans l'impudicité. Non. Je ferai quelque chose. Tel maître, tel disciple. Tel disciple, tel maître. Je ne veux pas des comprimés qu'on m'a donné pour changer le comportement. C'est le nom de Jésus seulement. Je venais avec mon directeur de programme. On était prêt de triomphal. On l'appelle. Non, pas triomphal. Europe Victoire. On l'appelle au téléphone. Il dit, je suis sur l'Europe Victoire. J'ai dit, tu as menti. Il faut que tu puisses dire que tu n'es pas là-bas. J'ai senti que ce qui est à moi ne supporte plus les mensonges. J'ai dit non. Mais moi j'ai gagné toute ma vie dans les mensonges. Mon directeur de programme est là. Il m'attend. Les valeurs ont changé. Le coup est bon, Wally. À cause d'un nom. Il m'a donné son esprit. Pour marcher dans la vérité. Parlez seulement. L'évangile. On l'annonce. L'évangile. On ne l'explique pas. L'évangile. On ne le prêche pas. On l'annonce. Quand j'ai une nouvelle, j'annonce. À prendre ou à laisser, j'ai annoncé. Annoncez seulement. Je vous dis la vérité. Un pasteur est venu dans mon bureau. Il m'avait annoncé. Je l'avais rejeté. Mais aujourd'hui, dans mon témoignage, je me souviens de lui. Parce qu'il avait semé. Même si quelqu'un fait sa mort, n'est pas écouté. Parle seulement. Les paroles. Est-ce une semence? Tu es sauvé. Tu as tout sauvé. Tu ne vas pas faire le bruit à la télé. Les gens ne veulent pas. Mais ils sont en train de voir. Il y a une puissance que le Saint-Esprit a mandaté dans l'évangile. Qui chasse ça? Toi, tu es révolutionné. Et c'est le Congo. Le Congo, c'est par l'évangile. C'est l'évangile. Il n'y avait pas une guerre qu'on a fait. Pour que je sois chrétien. C'était l'évangile. Simple. C'est sainte. Et Jésus a vu une dame venir. Pour venir chercher de l'eau. Vous connaissez l'histoire. Et Jésus, le provocateur. Luc 2. Vous lisez verset 34. Siméon dit à Marie, cet enfant provoquera. Nous devons provoquer les gens qui disent. Nous devons nous amuser avec eux. Quand tu te dis Alléluia. Alors
Shalom, il te regarde. Je dis Shalom. Shalom, il te regarde. 2-0. Nous devons le provoquer. Quand tu dis Shalom, il te regarde. Tu dis non, mais c'est la paix. Tu as droit à la paix. Tu es un enfant de Dieu. Oh, c'est qui est bien? Shalom, qui est bien? Donnez-moi à boire. Qu'est-ce là? La femme n'a pas réfléchi. Moi, si elle a calé ça, qu'est-ce que c'est? Comment toi qui es juif? Tu me demandes à moi. Oh, c'est Nangaï. À boire. Y'a combien là? Vous voyez que les juifs avaient raison. Moi, je disais qu'ils n'ont pas le cambal. On dit, mais ils ont la haine. C'est la Likounia. Et la Bible explique. Les juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Mais ils ont. Et c'est l'ancêtre commun. Le puits ici. C'est notre grand-père qui nous a laissé. Nous devons adorer dans la montagne. Nous devons ceci, nous devons cela. Jésus lui a dit, si tu savais, c'est lui qui t'a dit, donne-moi à boire. C'est toi. Nous devons être des provocateurs. Je peux venir chez toi pour demander les transports. Transport. C'est exprès. Parce que quand je viens chez toi, comme tu es élevé dans l'occultisme, tu me vois indépendant. Donne-moi le transport. Bon, je n'ai pas l'argent. J'ai dit, tu n'as pas l'argent. Mais moi, j'ai quelque chose. Je n'ai ni or, ni argent. Je vais prier pour toi. Reçois Jésus. Tu auras tout avec lui. Pourquoi vous ne provoquez pas? Pourquoi nous taquiner tous les jours? Quoi, dans le temps des réunions, nous taquine. Quand quelque chose ne marche pas dans la société là, on dit mais vous des chrétiens là, vous ne faites rien. Ils savent. Jésus lui a dit, si tu savais, tu ne te connais pas. Tu ne sais pas ce que tu portes. Vase de terre. Oh, mec qui a ma belle. Il y a de l'or en toi. Et ça, mais toi, tu te regardes comme un homme. Mais aux non. Okay. Il y a une puissance. Que l'esprit a mandaté en toi. Oh, bon, écoutez. Yoka. Je vais terminer. Naliko sukisa. Jésus lui a dit. Il a dit à Jésus, je vois que tu es un prophète. Ah, bien, tu vois, un jour, quelqu'un qui est en train de te rejeter là, il reconnaîtra les doigts de Dieu dans ta vie. Il ne faut pas les haïr. Il faut l'aimer. Il faut continuer à l'aimer. Soyez positif. Faites toujours du bien. L'évangile, ce n'est pas seulement la parole, c'est aussi le caractère. Les actions que nous commettons, poussées par quoi? Poussées par qui? Alléluia. Amen. Comment tu peux priver de l'eau à quelqu'un? Parce qu'il est juif. De sur quoi c'est ton frère? On a fini la causerie. Le soleil s'ili. La diva me cherchait. Ton mari. Bobali na yo. Vous vous dites qu'en Samarie c'est l'impudicité. C'est l'adultère. Il dit j'ai 5. J'en ai eu 5. Jésus a dit tu as dit vrai. Parce que tu es dans le 5e. Voici la vie de Samarie. Ne condamnez pas ces gens. Parce qu'ils sont déjà condamnés. Ils cherchent la justification. La justification, c'est Jésus. Alors vous devez leur amener Jésus. Alléluia. Amen. Ils sont déjà condamnés. Comment tu les condamnes encore? Et c'est fini. La femme a compris. Moi, c'est à ce soli que ce qu'elle cherchait. C'était un homme qui a le salut pour son âme. Qui peut la justifier. Cet homme a enlevé les doutes. Enlevé la haine. Enlevé le tribalisme. Enlevé l'orgueil. Dans sa vie.
Et c'est comme ça qu'elle est partie. Parce qu'elle est sauvée. Elle a dit, je ne resterai pas avec le salut. Moi aussi, je connais d'autres femmes qui sont mes amis. Ils en ont même 10. Ils en ont même 20. Je connais mon frère. Il y a 5 femmes à Samarie. Écoutez Jésus, reste ici. Parce que si tu viens comme ça, on ne va pas t'accepter. Mais moi je suis samaritain. Si je pars à Samarie, il va te voir mon témoignage parce qu'ils me connaissent. Et c'est comme ça Jésus reste. Et maintenant, l'évangéliste, on n'a pas voulu lui donner le nom. On l'a appelé Samaritain. Samaritaine. Parce que toutes les caractéristiques de Samarie se trouvaient en elle. Alors, mais directement, elle est partie. Okay. Elle a déjà rencontré elle n'a pas prêché. Elle a annoncé seulement. Elle a déjà rencontré elle m'a dit tout ce que je fais. Et je suis dans la paix. Je suis dans l'assurance. Je suis dans la joie. Si vous aussi, vous l'acceptez, vous aurez ce que moi j'ai eu. On a dit, va les chercher. Va l'appeler. On a besoin de lui. C'est comme ça qu'on est parti le chercher. Quand on est parti chercher Jésus, les disciples ont dit, on part à Samarie. Jésus leur a dit, cette fois-ci, la porte est ouverte. Voilà pourquoi, en terminant, je vous dis, n'envoie pas les faits à Samarie. Parce qu'un jour, tu passeras la nuit à Samarie. Un jour, tu mangeras à Samarie. Un jour, tu vas avoir des amis à Samarie. Vous voyez ce jour-là, si vous avez envoyé le feu, aujourd'hui, c'était le soir. Ils devraient aller où? Aujourd'hui, c'était le soir. Il devrait passer par la Samarie. Mais la bonne nouvelle a ouvert la porte à Samarie. Jésus n'est pas parti. C'était du Samaritain. Qui a partout ouvrir la porte. Écoutez-moi. Jésus n'a pas mangé. Ce qu'on lui a amené. Jésus est parti manger où? En Samarie. Pierre a mangé où? En Samarie. Jean a mangé où? En Samarie. Pendant qu'il mangeait, on va chercher les matelas. Ils ont commencé à dormir en Samarie. Ils ont commencé à avoir des amis. Ils ont commencé à dire, chaque fois, vous voulez aller à Jérusalem, passez par ici. Vous dormirez ici. On ira avec vous. Vous voyez, ne tuez pas Samarie. Samarie vous accueillera un jour. Samarie va vous recevoir un jour. Samarie sera votre ami un jour. Samarie sera sauvé. Par celle qui a été sauvé. Sauvé, viens à ton voisin. Qu'est-ce que tu fais de ton salut? Qu'est-ce que tu fais de ton salut? Tu as rencontré Jésus. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu envoies le feu dans ta famille pour le détruire. Tu envoies le feu sur ton voisin pour qu'il meure. Mais demain, tu vas convertir qui? Demain, qui viendra être ton partenaire? Le ministre est là, il sera ton partenaire. Le général est là, il sera ton partenaire. Ne le tuez pas, n'envoyez pas le feu, convertissez-les, envoyez l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Priez pour eux, priez pour votre famille, et les choses changeront. Pas détruire Samarie. Pierre a eu des amis à Samarie. C'est comme ça que depuis ce jour-là, Philippe n'a pas hésité d'aller à Samarie. Philippe peut aller à Tika qui était en Samarie. Qu'est-ce que tu fais de ton salut? Samarie a reçu Jésus. Samarie a mis par l'évangile. Quand on a rien d'autre. Et comme c'est l'évangile. Malam. Quelqu'un qui a expérimenté Jésus, qui est parti parler à Kekoloba. Elle était prostituée. C'est lui qui vous parle. Vous connaissez mon témoignage. Je vous ai parlé. Il est passé dans ma vie. Et ma vie a changé. C'est pourquoi jour et nuit, je suis derrière vous pour vous l'annoncer. Et vous aussi, allez annoncer. Allez annoncer. Ce soir, j'aimerais que si on va faire la prière,
quand on va faire la prière, prépare-toi. À une chose. Tu dois lever, tu vas commencer à voir en toi. Quelles sont les caractéristiques samaritaines qui sont en toi? Tu as encore la haine de tes ennemis. Tu veux les détruire par le feu. Qu'est-ce que tu as? La haine. J'aimerais que tu médites. Quelle est ta mission en tant que chrétien? L'évangélisation, ce n'est pas un don particulier. C'est une mission pour tout chrétien de témoigner. Il n'y a pas de théologie pour ça. Il n'y a pas d'école biblique pour ça. La Samaritaine à la minute même. Une fois sauvée, elle est partie sauvée. Que Dieu vous bénisse. Le beau pas moi. Bien aimé to pas moi. Koyamba tata na yo. Là c'est un père qui est au milieu de nous. Et sango na zala ngo. Zambe kam te bi motema la ngala motema mobaina. J'ai compris. Et ça a bateau. Oh yes, sorti que la mission. Oh yo, après ça bango bâton. Soko lingo dinde fasi mission tete. Nous sommes là pour te sauver. Alléluia. Basali Moussala, Namboko, Pe Bazo Sala Moussala Kak. Nata la mona qui est dans le barasa modèle. Po Bitumba, oh Azual, tu comprends, Zela, le Kika, il fallait biso banatolek. Amen. N'aime ce que papa. Tokokisi inane to zakalaka tandako. Mesiko to za to bimi libanda. To lingo ya koloba liloba. O bonde la pona la joie de l'Éternel. Praise the Lord. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Kembona mwana patron ensemble. Je suis très heureux de venir ce soir. Na tondi samini na sengo koya na poko alelo kati na bino. Pour communier avec vous. Surtout pour encourager le travail qui se fait. Mingi pona ko pesa bo pikiliki na mosalo za ko salema. J'ai dit à ma Chabani avant-hier, elle m'a demandé de prêcher. Talobaki na ma Chabani lobele kikuna alsenga ingana teya. Je lui dis l'importe pour moi n'est pas de prêcher. Talobi li tomba pona ngaza lika kote ya te. Mais ma présence c'est plus que prêcher. Parce que quand je viens dire que je soutiens ce que tu fais. Je sais que c'est un travail qui est né avec beaucoup de peine. Je suis au-dessus de tout ça. Je viens encourager Maman Chabani, son mari. J'ai le micro parce qu'un jour j'ai été sauvé. Parce qu'un jour quelqu'un m'a parlé du Seigneur. J'étais mourant, j'étais malade. Témoignage, comme Élisée vient de donner un témoignage formidable. J'étais mourant sur le lit des malades, j'avais 20 ans. Tous ceux qui me regardaient attendaient ma mort. J'avais un ballonnement de ventre. J'avais des gales sur tout mon corps. J'étais désespéré. En tout cas, Eli Kesaki le soutenait. J'étais découragé. Na lembaki. Et pendant que je dormais sur mon lit de désespoir. Na tango na lala ki na mbeto na ngai akopungi selikia. Un jeune homme de mon âge. Elenge mobali moko ya mbula na ngai. Il s'appelait Chamala, je ne l'ai plus jamais revu. Kombo na Chamala na tika la ko mona eli soutenait. Est venu me parler du Seigneur. Ayekolo belanga na tina na kolo. Et il m'a dit.
Tu ne mourras pas. Jésus va te sauver. Je n'avais jamais entendu une parole aussi rassurante. J'étais tombé malade pendant que j'étais au petit séminaire où je voulais devenir prêtre. Je n'avais pas entendu ce genre de paroles. Il m'a dit, tu ne mourras pas. Et je peux dire à quelqu'un ce soir, toi aussi, le plan de l'ennemi ne t'atteindra pas. J'ai été sauvé pour sauver les autres. C'est pour cela que je sillonne le monde entier pour sauver les autres, pour gagner les autres. Mais un secret, tu veux sauver, tu as besoin de la puissance. Parce que pour aller vers les autres, tu auras affaire aux ténèbres. Tu auras affaire à l'enfer. Tu auras affaire aux démons. Tu auras affaire au noir. Mais tu as besoin de la puissance. Comment imaginer un homme qui a tremblé devant une femme? Il a tremblé en disant, je ne connais pas Jésus. Mais lorsque la puissance est descendue, il a pu sauver 5000 hommes. Ce que tu n'as jamais réussi à faire de toi-même, mais avec lui, tu peux le faire. Si tu n'as jamais réussi à gagner une Samarie, mais avec la puissance de Dieu, tu gagneras Samarie. Nous, des rencontres comme celle-ci, lorsqu'on en sort, tango bimi, on y sort avec quelque chose. Quelque chose de différent. Et c'est ce que je voudrais déposer sur toi ce soir. Étendez vos deux mains vers moi. Et laissez-moi prier. L'onction de Dieu va descendre là où vous êtes. Et pas qu'on a jamais quitté si que vous allez. Dans vos familles, dans ma botte en abino, dans votre quartier, la bicycle à Bovandi, dans le lieu de travail, bicycle à la bino Mossala, plusieurs seront sauvés. Bah, Ike, bah, Kobi Kisama, vous allez dégager une puissance inhabituelle. N'a Kobim Zangouya Mokoza, mon messanoté, vous dégagez une puissance inhabituelle. Boko bimisa nguya moko. Oezalia mo mesanote. Pour le salut de plusieurs. Pona lobiko abayike. Vous n'aurez plus peur des démons. Boko banga lisusu ba démons nate. Vous n'aurez pas peur des sorciers. Boko banga bandoki lisusu te. Vous n'aurez pas peur des tantes des oncles sorciers. Boko banga loko ba tatamasi bandoko bandoki te. Vous n'aurez pas la haine de ces gens. Boko zala likunya te pa na bango. La puissance en vous. Kasi nguya kat na bino. Va les transformer. Eko bongo la bango. Va les gagner à Jésus. Eko longa bango kat na Yesu. Va les sauver pour l'éternité. Cher Saint-Esprit, tu es là. Osawana. Touche ces hommes et ces femmes. Simba basipe mibali oyo. Remplis-les maintenant. Tondisa bango sasaipi. Que quelque chose de fort, de puissant et d'inhabituel les saisisse. Que leur vie soit complètement transformée. Que leur vie soit complètement transformée. Qu'ils gagnent des âmes à toi. Qu'ils sauvent les autres pour la gloire de ton nom. Qu'ils sauvent les autres pour la gloire de ton nom. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, c'est par ton esprit. Saisis-le. Simba bango. Touche-le. Simba bango. Revèle-le. Latissa bango. Et remplis-le de ton esprit. Petondissa bango na molimo sa. Que des choses inhabituelles se manifestent dans leur vie. Et te biloko eza lolenge mo mesanote etalisa na bomo na bango. Le surnaturel les accompagne. Oh, l'équipe en moto et bien la bango.
Je te recommande le couple Chabani entre tes mains. Cher Saint-Esprit, saisis-le. Simba bango. Touche-le. Simba bango. Transforme leur ministère. Bongola lotomo na bango. Élève-les encore. Bongola bango les susu. Travaille avec eux. Salala bango longo. Opère des miracles. Sala bikamwa. Les signes des prodiges et des miracles dans le monde. Afin qu'ils sauvent des multitudes. Natina te bango ba bikisa ebele na bango. Que ton onction descende sur eux. Et te pakola mina ki tali ko na bango. Ceux qui n'ont jamais vu. Oh non ba mona te. Qui les vivent. Ceux qui n'ont jamais touché. Oh non, bah Simba te. Qui les touche. Bah Simba yango. Car il est écrit. Et t'es comment mis? Ce sont des choses. Eza makambo. Que l'œil n'a point. Oh mis c'est mon athée. Et que l'oreille n'a point. Oh pe matou et okate. Que ces choses se manifestent dans leur vie. Et t'es bien quoi là la telle histoire malabo boy la bas. Que les miracles s'accomplissent. Et t'es bien comme moi quoi qui s'en. Que les prodiges s'accomplissent. Et t'es bien les moi mon histoire. Saisis-les. Simba bango. Touche-les. Simba bango. Travaille avec eux. Tala bango. Travaille avec eux. Salala bango. Que le monde soit étonné. Et mokilia kamwa. Que tous ces hommes et ces femmes. Et basi pe bibalo nyoso. Soient touchés maintenant. Basimba masasa ipi. Soient saisis. Bango basimba ma. Soient remplis. Batondi sama. Soient revêtus. Balati sama. Cher Saint-Esprit. Molimo santu. Descends maintenant. Kita sasa ipi. Touche. Simba. Simba, remplis ce peuple. Tondi sa libote a oyo. Soyez baptisés du feu. Bon baptisa mana moto. Soyez baptisés du feu. Bon baptisa mana moto. Maintenant. Ça saip. Maintenant. Ça saip. Maintenant. Ça saip. Maintenant. Ça saip. Soyez saisis là où vous êtes. Simba basika bozali. Soyez saisis là où vous êtes. Simba basika bozali. Que vos vies. Et te bomo inabino. Soyez saisis maintenant. Estim. Soyez saisis. Estimba ma. Père. Tata. Fais-le pour la gloire de ton nom. Et que des malades soient guéris ce soir. Et que les opprimés soient libérés ce soir. Touche leurs affaires. Touche leurs finances. Touche leur commerce. Bénis leurs projets. Je les déclare bénis. Je les déclare bénis. En ma qualité d'évêque général. Je prononce les paroles de faveur sur ce peuple. Mais si la lobby m'a l'obé à mon lobe ou quand elle parlera sur ce peuple, ma la tête à l'équalibote à qu'il sème, bango balona et qu'il récolte, qu'il commence babanda et qu'il termine, basoukissa qu'ils entreprennent, bango basala et qu'il réussissent. Lève les deux mains, tombe la maboko mi balé, élève la voix, tombe la mongongo, commence à bénir le Seigneur, banako pambo la zambé. Oh,
Levez les deux mains, on va prier pour Papa Chabani. La puissance de Dieu qui vient de descendre sur lui. L'a complètement affecté. Vous savez, ces derniers temps, quand je prie pour des gens deviennent aveugles, muets, sourds, paralytiques. Je crois que là, il y a un problème avec ces jambes maintenant. Papa Chabani, donne-moi la main. Vous pouvez vous lever? Laissez-le. Ça va, mais encore. Laissez-le. Voilà. Ça y est. La puissance l'a touché. Voilà, c'est bon. Ça va. Malade. Acclamez le Seigneur. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Il est salami, papa. Écoutons. Inexplicable. Inexplicable. Ça ne m'a jamais arrivé. Jamais. Et tu as combien d'années nous t'es? Je doutais. Vous doutiez? Je doutais. Quand vous voyez chez les autres. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Mais dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé alors? Je me sentais la partie inférieure paralysée. C'est comme si on a mis des tonnes de ciment. Donc on a bâti un kilo, un kilo de ciment. C'est impossible. En tout cas, et voyez quoi ça le matin? Ce qui se passe aujourd'hui. Quelque chose vient d'entrer en vous. Je crois que je voulais partir sans déposer quelque chose sur vous. Maman Micheline venait. Maman Micheline Poussana. Tenez-vous. Seigneur. Jésus. Seigneur. Que ta faveur soit sur ce couple. Ce que j'ai reçu de toi, je le leur donne. Je le leur donne. Et la puissance du Saint-Esprit. Il y a mon limo saint. Recevez cela. Yamba yango. Recevez davantage. Yamba yango lisus koleka. Plus rien ne sera comme avant. Et le combo koti kosa lisus lokola kala. Vos cœurs sont guéris pour toujours. Mitema na bilo epiki pona seko. Le passé appartient au passé. Oh eleka etikali eleka. Maintenant entrez dans votre futur. C'est quoi pour continuer à lobby n'andele nabino. La deuxième année de votre ministère. Mbula mi balé à l'automne nabino. C'est l'année de la destinée. Et quoi ça la mbula yandele nabino. Merci Seigneur. Matondo kolo. Jésus. N'a pas quoi, on s'en sort à la plaine, Zambé. Amen. Yes. Le plan de l'ennemi ne s'accomplira pas dans ta vie. Au nom de Jésus. Yes. Je vois le plan de Dieu. Je vois la grandeur. À partir de ce soir, tu deviens puissant. Tu vas fêter des nations. Par toi, les miracles se produiront. L'ennemi va s'agenouiller devant de toi. Tu reçois la puissance. 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 Jésus Christ. Écoutez. Yoka. Tu es établi. Zamba tiyo.
Il t'établit. Afin de Sion. Par toi. Dans cela, yo. Les malades seront guéris. D'appel, il va kobika. Dès ce soir. Kobanda pokwalelo. Dès ce soir. Kobanda pokwalelo. Toutes les personnes. Motenyoso. Que tu vas rencontrer malades. Oh, kokuta la mobile. Il y a l'onction de la guérison qui est entrée en toi. Oh, c'est de proclamer le but. Il y a l'onction de la guérison qui est entrée en toi. Oh, proclamer le but. Kotikati na yo. Il y a les miracles qui ont entré en toi. Pikamo kotikati na yo. Je vois l'ennemi tomber. Nasomo na manguna kokuya. Je vois l'ennemi tomber. Nasomo na manguna kokuya. Je vois l'ennemi tomber. Nasomo na manguna kokuya. Par toi, Nanzela na yo. Les prostituées vont se convertir. Bandumba va comprendre la mitema. Par toi, Nanzela na yo. Les voleurs vont se convertir. Bamiyibi va comprendre la mitema. Par toi, Nanzela na yo. Notre nation sera sauvée. École na biso kopika. Ta nation sera sauvée. Moka no kopika. À partir de ce soir, tu es un feu. 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 Tu es fait comme mon nom Jésus Christ. Écoutez ce que l'Éternel nous a donné. Yo quel concours la prostitution. Une femme prostituée. Voici mon coin d'umba. Qui est devenu une évangéliste. Oh comme mon pantisan. Une prostituée. Moi c'est un d'umba. Il a ramené des âmes. Oh mais mi lema. Amen. Yes. Qu'est-ce que le Seigneur me montre? Ni Nicolas d'hôtel Sanga. Qu'est-ce qu'il me montre? Nini, quoi la hôtel Sanga? Je vois un homme. Zoma na motomo comme au bal. Sa vie n'a jamais été facile. Bobo inaï ma kamonyos to zalaka passe. Tout le monde te connaît. Batonyos soba ebio. Pour changer l'étape, chaque étape de ta vie. Étape nyos ya bobo inaï popongola. Tu fais que peiner. C'est que l'on nyokwama. Mais ce soir. Pourquoi l'élo? L'Éternel. Kolo. Te donne le pouvoir. À pression pifo. Il te donne le pouvoir. À pression pifo. À partir d'aujourd'hui. Kobanda lelo. Tu vas plus peiner pour avoir quelque chose. Okonyo komalisu te pose de loco. Tu sais, tu te connais. Oyebi omi yebi. Même pour avoir le diplôme. À ta pose toi tes diplômes ou à pas. C'était tout un combat. Ezake tumba makasi. Mais Dieu est des cieux. Zambe alikolo. Il te donne maintenant. Le pouvoir. Pifo. Je te vois. Tu vois ce que je vois. Tu deviens comme un aimant. Tu vas commencer à tirer les bénédictions à côté de toi. Tout ce que tu as besoin. Ça va arriver. Ça va arriver. Et tout ce que tu penseras. C'est ça qui se réalisera. Parce que c'est le temps de l'évangélisation. À cause de toi, toute la famille sort maintenant. Tes sœurs vont réussir. Je le vois même. En train de sortir. Dans les trous. Et ils se marient. Quels que soient les enfants qu'ils ont eus. Dans la maison. Nandako. Mais ils vont se marier. Bango à cause de ta prière. Père de grâce. Le Dieu tout-puissant. Le créateur des choses visibles et invisibles. Celui qui nous a appelés en ces lieux. C'est lui qui nous a lancé la convocation sainte. Nous sommes venus pour toi, Jésus. Nous sommes venus te contempler, mon Dieu, mon roi. Nous sommes venus avec nos problèmes, ô Éternel des armées. Tout ce que je sais, Seigneur Jésus, quel que soit l'état, quel que soit le temps, mais le rétablissement est certain. Jésus, tu viens de nous rétablir, mon Dieu, mon roi. Chacun, oh Dieu tout-puissant, le désir, mon Dieu, mon roi, que nous avons autrefois, mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui, tu viens de l'accomplir. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Sois béni, sois glorifié, mon Dieu, mon roi, pour les serviteurs que tu as utilisés puissamment ce soir. Oh Dieu d'Abraham, nous t'avons vu à l'œuvre au travers les instruments de ce soir, oh Dieu. Merci Papa chéri,
pour nous avoir déchargés de tous nos fardeaux, mon Dieu, mon roi. Nous rentrons chacun chez soi, libérés, délivrés, et nous allons, papa, te témoigner que tu es Dieu. Sois béni, sois glorifié, mon Dieu, mon roi, puisque Seigneur, tu nous as sauvés pour que nous puissions sauver les autres. Merci Jésus pour cette soirée, oh Dieu d'Abara. Maintenant que nous voulons nous séparer, Jésus, laisse-le éternel des armées, que notre chemin de retour soit tapissé par ton sang. Que tes anges, ton armée, mon Dieu, mon roi, puissent être à notre service et nous amener au bon port, chacun chez soi, dans le nom de Jésus. Merci, l'homme de Galilée, que ton sang nous couvre, nous rend invisibles, invulnérables, inattaquables, inaccessibles, pour t'attaquer au premier du diable. Que l'Esprit de Dieu accompagne tout un chacun de nous, mon Dieu, mon roi. Sois béni, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous tous, nous disons oui, le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel. Rétablis.